Et salut tout le monde, c'est Lily. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Ni no Kuni. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va comme d'habitude. Alors, j'ai fait quelques quêtes annexes entre deux. Ben, toutes celles qui étaient dispo. Et maintenant, on continue le jeu. Je suis méga contente, n'empêche, des retours que j'ai sur ce let's play pour l'instant. C'est vraiment inattendu. Ni no Kuni, c'est quand même pas la licence la plus connue au monde, je trouve. Et par exemple, en parallèle, je fais Final Fantasy VII Remake et Ni no Kuni a plus de succès que Final Fantasy, c'est incroyable. Regardez-moi ce mob respectueux qui attend qu'on ait fini de parler pour essayer de venir nous attaquer. オリバー。え?何?オリバーはさ、なんで旅をしてるの?ジャボーを倒すなんて普通の子は考えないよ。そうだね。母さんを助けたいんだ。お母さん。うん。僕を助けようとして死んじゃったんだ。でも雫が その原因はこっちの世界にあるって。じゃあ、お母さんを助けるための旅なんだ。そうだね。素敵だね。え?誰かのために一生懸命頑張るって素敵なことじゃない?私だってオリバーみたいに素敵な旅ができるといいな。 Ouais, c'était un petit peu maladroit. Inda. Demo. Jabo wa tegowai yo. Aitsu wa hito no kokoro wo ubatte, jibun ni hamukau mono wo nukegarabito ni shite iru. Dare mo aitsu ni sakaraenai. Dare mo aitsu ni wa katenai. Shitteru. Demo, boku wa 絶対に倒すでしょ?あ。うん。でも不思議。全然強そうじゃないのに、私オリバーならできそうな気がする。なんでかな?マル。さあ、そろそろ休もうか。うん。えべ。 Le mob est toujours là, incroyable. Il s'est rapproché quand même pendant qu'on dormait hein. D'accord. Allez, let's go. N'empêche, c'est con, on va risquer peut-être sa vie pour sauver celle de notre mère, alors qu'elle s'est sacrifiée pour nous sauver la vie. Ce serait bête de mourir, par exemple. Parfait. Je sais pas ce qui m'attend, mais je le sens pas en fait là.
Allez, c'est parti. Ça t'annonce bien la couleur quand il y a une save déjà derrière. この方が仙人様か。あの、仙人様、私たち試練を受けに来ました。 Mais ils sont toujours comme ça. Peu importe, dans Ni no Kuni, dans Dragon Ball, c'est toujours un minuscule personnage qui est le grand sage ou compagnie. Ouais. C'est cliché à force. Ça va les chevilles en tout cas. Mais quel enfoiré. Je l'adore déjà, ce sage. Ou les deux, peut-être. Sait-on jamais, hein. Pour sauver ma maman. Je suis pas sûre qu'il ait totalement conscience de ce qu'il dit, moi, personnellement, mais... Parle pour toi, il dit qu'il est prêt. Moi, je suis pas prête à faire des épreuves comme ça. J'adore ce sage. Meilleur personnage de Ni no Kuni. S'il faut qu'il les vend toutes si tu veux de l'argent pour vivre. Ah, je l'aime de plus en plus, ce petit gars. Bon, bah, avant toute chose, hein. Hop, une petite save. Pour éviter de se retaper tout le blabla. Hop là, voilà, beaucoup mieux. Ok, 3 épreuves. Sagesse, amitié, ouais. Pour arriver à bravoure. Commence à gauche, hein. Commence toujours à gauche. J'ai peur, je vais devoir faire quoi ? L'épreuve d'amitié. Ça t'annonce déjà la couleur. Ah, d'accord. Merde. C'est compliqué à diriger quand même, hein. Ah ok, oh putain, va falloir faire vite avec les deux sticks en même temps, très bien. Allez. J'avais pas compris, c'est bon, je suis prête.
Bah ça peut revenir quoi maintenant, non? Maintenant j'abandonne pas. Mais je peux pas. Mais je voudrais pouvoir recommencer quoi. Pardon, c'était trop tentant. Ah bah de toute façon, c'était le mieux à faire. Putain, c'est chaud patate à déplacer les deux. Hein. Ah, c'était pas par là pour toi, merde. Ça va aller, Oliver, ça va aller. Oh putain, elle aussi, je vais la... Je m'en déplacer qu'un à la fois quand même, hein, parce que c'est chaud. Ils ont pas le même, le même schéma. J'étais pas prête. Ah merde. Oh merde. Eh, c'est pas aussi évident que ça en a l'air. Ah, je suis morte. C'est chiant à déplacer les deux en même temps, putain. Au début, ça va, ils ont le même pattern. C'est pas... Ah, ça va, je reprends que là. Oh, tout va bien, alors. C'est bon. Hop, avance. Qu'elle aille te mettre l'autre plateforme, j'imagine. Allez, va dessus, putain. Ah, je vous jure, l'angoisse. Oh, putain de merde. Hop, 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 tu vas attendre avant de tomber, sale. J'en peux plus. Hein. Oh, mais... Je suis au bout du rouleau. T'as confiance en moi, hein. T'inquiète. T'inquiète, ça va bien se passer, cocotte. Tu peux me faire confiance. Eh, confiance, mon ami. Oh, putain, je vais avancer un peu, Oliver. Hop. Si tu pouvais te grouiller un peu aussi. Hop. Hop. Elle, on va tout de suite la foutre là-bas. Oh, l'angoisse, l'épreuve. Ça commence bien, hein, c'est la première épreuve. Je suis déjà en train de galère un peu, quoi. J'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Mais quand on peut avancer en même temps, c'est bien, mais... Quand on peut avancer en même temps. What? Elle est chelou, ton épreuve, là. Bah, c'est un peu perturbant, quand même, hein. Je dis ça, je dis rien. Wow. C'est bon. C'est bizarre de déplacer les deux comme ça. Mon cerveau, il a pas l'habitude de faire un truc comme ça. C'est bon, on a réussi la première épreuve. Ouais. Trop facile. Mon dieu. Ouais, c'est bien foutu quand même. Allez, on fait une save. Sait-on jamais? Avec le bol que j'ai, la console elle plante sans aucune raison, le jeu s'arrête et je dois tout recommencer, j'ai pas envie. Mon dieu, je suis en train de me dire qu'est-ce qui m'attend maintenant. Oh non, bah j'avais encore moins aimé, je pense. Moi j'aime bien les jeux bourrins quand on se bat et tout, là, quand il faut réfléchir, moi. Voilà, la perception, la réflexion sont la clé de l'énigme. Eh merde. Je comprends pas. Mais partout il y a le même symbole, il y a que lui, je sais pas parce que je vois rien. Je peux rien faire.
faut que je lance le sort. Attendez, comment on fait déjà? J'ai un sortilège qui... Ouais, ça. Mais je suis censé faire quoi? Les mettre là-bas? Hop. Je suis censé faire ça avec tout le monde, mais j'aurai jamais assez de PM. Mais non, mais... Ah, je pouvais faire ça, merde. Quelle conne. Y es-tu là? Non, pas... Lâche-moi. Il y avait peut-être un ordre particulier où les mettre. Je suis censée le savoir comment. Je sais pas. Je suis censée savoir comment, dans quel ordre les placer. Ouais, donne-moi un indice. Le dragon voit l'épée du guerrier. Alors le dragon, c'est qui le dragon? Putain, ça ressemble pas à un dragon, ça. Il voit l'épée du guerrier, très bien. L'oiseau a vu sur son bouclier. Très bien. Je peux pas tout retenir. Hein. Alors... Le dragon voit l'épée du guerrier. Très bien. Le dragon, j'imagine ces trucs tout à droite. Il voit son épée, donc il faut le mettre à gauche. L'oiseau, il a vu sur le bouclier. Lui, sur l'épée. L'autre, le bouclier. Très bien. Non. En plus, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc ça va être marrant. Donc toi, mais je peux pas le pivoter. Ah ouais, non, je peux pas le pivoter. Ouais, du coup, toi, on laisse comme ça, mais... Oh, hé. Hop. Voilà, comme ça. C'est bon, non? Lui, il a vu. Parce que pour moi, c'est lui le dragon. Ça peut pas être ça, le dragon. Lui, là, il voit rien. Lui, il voit le bouclier. Lui, il voit l'épée, là-bas. Mais merde. C'est pas bon? Mais tu me fais chier. Je comprends rien. Mais je peux pas les pivoter. Si je pouvais les pivoter, ce serait simple. D'accord, je peux pas la pivoter, cette merde. Non, je peux pas. J'ai beau essayer par tous les moyens, je peux pas. Ah, ou alors il y a dit sur sa droite, l'autre. Mais sa droite, c'est de l'autre côté, du coup. J'en peux plus, c'est n'importe quoi. Du coup, toi, tu devais voir l'épée. Ah, mais non, toi, si tu dois voir l'épée... Et toi le bouclier, hop. Hop. Non, hop. Oh putain, c'était juste ça le détail, parce que l'autre c'était sur sa droite. Il m'a fallu sérieux, je sais pas combien de temps pour faire ça. Il y en avait qu'une, j'espère. C'était l'élément important, sur sa droite, pas sur ta droite à toi, sur la sienne.
J'ai horreur de ça, putain. On y va sans indice la première fois. Dans ma tête, c'est mais putain, tu veux que je fasse quoi avec ça? Quoi? Mais ça peut se foutre partout cette merde en plus. Non, pas toi, je voulais pas toi, dégage. Dégage, j'ai dit. Non, l'autre, c'était bien l'autre. Bah ça, j'ai envie de le mettre là, logique, non? Enfin, c'est peut-être pas logique pour tout le monde, parce que visiblement, ce jeu n'a aucune logique avec moi, mais... Ça me rappelle les énigmes dans Pokémon, ça, dans les ruines. Putain, c'est un morceau de quoi, ça? J'ai voulu faire ça, moi. C'était vraiment pas une bonne idée en soi. Je le vois nulle part, ce truc-là. Ah, si, ici, non? Bah, non. Putain, je me suis dit, c'est bon, là. Quand ceux d'en haut avec celui d'en bas ne feront plus qu'un, la porte se... Quoi? Putain, j'ai rien compris. Je préférais les épreuves d'Onir, hein. C'était chiant certaines épreuves, mais... Mais y'a que celui-là que j'ai un doute en fait. Je me dis celui-là j'ai... Non, celui-là j'ai merdé. Attends, je vois pas où il va ce con. Pour moi, les autres ils sont bons, c'est juste lui qui est pas bon. Hein. Mais je sais pas où le mettre. Non, mais ici ça. Oh, je sais pas. Ah, peut-être, si. Pas du tout. Vas-y, ah, quoi que lui doit pas être bon quand même au final. Ah ouais, putain, non, il est pas bon lui en fait. Oh, j'en ai marre. Je ferai pas de montage, je m'en fous. Je vous laisse la galère en direct. Enfin, en direct. Non, toi t'as un bout d'oreille là aussi, donc en fait tu vas là, toi. Non, tu vas pas du tout là, c'est... Tu vas ici, toi. Ouais, toi tu vas ici, c'est sûr. Ouais, j'étais déjà sûre la première fois, je sais, mais voilà. Lui, il peut pas aller ailleurs, c'est pas possible. C'est lui, franchement, lui, mon merde. Non, pas toi. Oui. Plus, je sais pas. Voilà, ici. Là où je l'avais mis la première fois. Ah putain, j'en peux plus. Ça, ça paraît tellement évident, tellement simple. C'est tellement relou. Il y en a encore beaucoup. Bordel de merde. Ouais, on va prendre l'indice tout de suite. Hein. Donne-moi un indice. Alors, l'oiseau lié au dragon et la lune. Oh putain de merde. Je comprends rien.
Ouais, bon, l'oiseau lié au dragon et à la lune. Donc l'oiseau, il est lié au dragon et à la lune. Très bien, alors disons. Putain, j'en sais rien. La bête liée au guerrier. La bête, ok. Au guerrier, à la lune et à l'étoile. Sur la bête d'abord, je pense. La bête, elle est liée au guerrier, très bien. Mais elle est aussi liée à la lune et à l'étoile. Oh putain. Ah, ben fallait se dire que t'allais préciser un truc. L'oiseau doit être placé sur une étoile et les lignes doivent se relier à la lune et au dragon. La... Quoi? L'oiseau sur une étoile, très bien. Où est-ce qu'il y a des étoiles? Il y en a trois? Ok. Les lignes doivent la relier à une lune. Bon, elle relie toutes à une lune. Ah non, il n'y en a qu'une qui relie pas à une lune. Très bien. Il me reste les deux vers la droite. Et au dragon. Donc l'oiseau doit être sur une étoile parce qu'il y a une lune et l'autre en même temps il en voit trois. Bon, je vais déjà placer l'oiseau sur une des étoiles que je pense. Mais alors, je vais trop vite. Allez, non, pas toi, dégage-toi. L'oiseau doit être placé sur une étoile, il a dit. Hein. Hop. Et il doit être lié au gars. Ah, je sais plus. Et lui, il sait pas où aller, mais il est lié à trois trucs. Alors, je le vois bien ici, moi. Ah mais l'oiseau il est lié, bah il est lié au dragon là, l'oiseau lié au dragon et à la lune. Putain mais je vois plus moi. Bon, on est tous reliés là. Il est où le problème? Oh mon dieu. Cette épreuve de merde! Putain, ce que j'aime pas ça! Vas-y, dégage. Hop, dégage parce que je vois rien. Je comprends pas. Ouais, mais lui, il était pas relié à la lune là en fait, c'est ça le problème. Peut-être fallait que je te mette ici, toi. Ça se trouve, j'avais bon, il y avait juste lui à mettre ici. Ah, ou alors... Attends, il y avait quoi en dessous de lui? Non, parce qu'il y a quand même un truc lié à la lune, donc non. Et lui, il doit être sur une étoile. Non plus. Putain. C'est pas possible. J'en peux plus. Sur l'étoile là, tu veux être peut-être, tu seras lié quand même. J'en ai ras le cul. Vous savez quoi? On va se quitter là pour cet épisode. Ouais, c'est frustrant. Ça l'est pour moi aussi.
Mais je vais regarder la Solus, j'avoue, parce que ça me gonfle. Je vais regarder la Solus et je vous accueillerai avec les choses bien placées. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode galère vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao tout le monde, des bisous.